Allez, allez. Est-ce que la, la vidéo fonctionne Hein Il est en train de, de vérifier, c'est ça Ok. Om Bhagavate Vasudevaya Om Donc aujourd'hui on lit du Srimad Bhagavatam, chapitre 9, intitulé Yudhishthir monte sur le trône. Verset 18. C'est la page 266. Asyanuba magavan, Vedaku tamam Shiva.

Asyanu Bhavan Bhagavan Vedagu tamam Shivaha Devarshir Narada Sakshad Bhagavan Kapilon Ripa En fait, je t'ai dit verset 18, mais j'ai lu le verset 19. neuf C'est pas grave. Tout est connecté de toute façon. <laughs> OK. Ben, écoutez, euh, vous pouvez répéter le verset 18. Ben, écoutez, euh, répétez le verset 18, d'accord Vu qu'on ne l'a pas fait. Quelqu'un veut le faire, le verset 18 Oui. Eshavai Bhagavan sakshad Adyo Narayana Puman Adyo Narayana Puman Mohayan Maya Yalokam Maya Yalokam

Ishavai Bhagavan Sakshan adyona Narayana Puman Mohayan Maya Yalokam Kudashtarati Vrishneshu Traduction et commentaires par Bhakti Chananjati maharaj Maharajki Krishna n'est nul autre que le Seigneur suprême et primordial, Narayan. À travers sa puissance interne, il cache sa divinité aux yeux des êtres mortels et il apparaît incognito parmi les Vrishnis. Commentaire. Selon Shri Vishwanath Chakravarti Thakur, Yiddish pourrait poser cette question. Mais comment peux-tu dire que cela dépend... Entièrement du Seigneur, que nul ne connaît ses intentions quand il est à ce moment en face de toi et que tu peux lui demander. En réponse, Bishma énonce ce verset. Il nous confond avec son énergie. Le Seigneur a deux énergies par lesquelles il recouvre les êtres. Son énergie externe illusoire, les âmes conditionnées, non, excusez-moi son énergie externe illusionne les âmes conditionnées qui désirent leur indépendance en leur faisant oublier leur nature spirituelle alors que l'énergie interne voile les associés du seigneur en leur faisant oublier sa grandeur pour que puissent se manifester entre eux des relations d'amour extatique c'est pourquoi ce verset dit il évolue secrètement parmi la famille des aucun être dans la création ne peut saisir les intentions de l'immensément grand. C'est pourquoi la nature, les paroles et les actions du Seigneur ne peuvent être comprises complètement, même par les plus grands sages de l'univers et par les demi-dieux. Ces paroles et ces actes rendent confus ceux qui tentent de les comprendre. Cependant, cette directive doit être suivie. Notons que le Bhishma est l'un des douze Mahajan des plus grandes autorités spirituelles de l'univers, et que dans ce verset, il affirme que Krishna est bien le Seigneur originel. चक्षुरमीता तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थपित येन बुदरे स्वयं रूप कि दधास्विक वंचाकर्पतरुभिष्टा कृपा सिन्दुभ्य चीतना पवाने्यो वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्वैत गिरधार शिव हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे नमो विष्णुपराय कृष्ण पृष्ठाभूतरे श्रीमती भक्तिवेरांत स्वामी निधनामिने नमस्ते सरस्वाति गौरवाणी प्रचारिणे नैशेषुन वारी पाष्ट्रदेशता Krishna n'est lui l'autre que le Seigneur suprême et primordial, Narayan. À travers sa puissance interne, il cache sa divinité aux yeux des êtres mortels, et il apparaît incognito parmi les Vishnés. Donc en fait, Krishna, il se cache à nous. Ça dépend comment on veut réciproquer avec Krishna si on veut réciproquer avec lui en comprenant qu'il qu est une personne et que non seulement il est une personne mais il est la personne originelle ce qui veut dire le contrôleur et le jouisseur suprême mais naturellement krishna va vouloir se montrer à nous est ce qui est expliqué yoga maya ou maha maya c'est la même énergie ce ne sont pas des énergies différentes c'est la même énergie mais qui en un instant peut se transformer. C'est ça que Bhaktivinoda Prabhupada l'explique dans le Bhagavatam. Il dit que, selon la conscience du dévot, dès qu'un dévot veut percevoir Krishna, Krishna change son énergie. Il, ça se transforme de Mahamaya à Yogamaya. Et dès que le dévot ou le matérialiste veut être couvert, Krishna le couvre pour qu'il oublie sa personne. Donc en fait, si je vous pose la question en ce moment, qu'est-ce que vous percevez dans votre tête? Est-ce que vous percevez un petit singe qui saute dans les airs avec des cymbales puis qui tourne sur lui-même? <laughs> qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous percevez de vous-même, de ce que vous êtes, de votre environnement, non? Qu'est-ce que vous percevez lorsque vous regardez sur l'hôtel? Enfin, fait, il faut comprendre que le corps humain a quatre imperfections. Un, on a tendance, on a, des, on a des sens imparfaits. Parce que ça veut dire, je ferme la lumière, je mets ma main en face de moi, je peux même pas voir ma main. J'ai peut-être mis une bague avec des diamants, des rubis, puis un gant rose avec de la dentelle de soie. Mais euh, si fait noir, je ne pourrais pas apprécier la beauté du gant et de, de la bague, non? Vous comprenez? Donc c'est pour ça que parce que les sens sont imparfaits, on a tendance à être dans l'illusion de ce qu'on perçoit de la réalité. Comme par exemple, vous marchez dans la forêt, il fait nuit, et vous croyez marcher sur un serpent, mais lorsque vous revenez le lendemain matin, ce que vous voyez, c'est une corde qui avait un peu la forme du serpent. Non? Et parce qu'on a tendance à être dans l'illusion, on commet des erreurs dans la manière dont on perçoit les choses. Donc, comme par exemple, euh, ok, je suis dans ma chambre et j'entends un bruit. Peut-être que, en entendant ça, je pense que c'est une petite fille qui se fait kidnapper par un bandit, non Mais euh, <laughs> le lendemain, je vais voir ma voisine et elle me raconte qu'elle a fait un mauvais rêve. <laughs> Vous Comprenez. Et dernièrement. Euh, parce qu'on commet des erreurs, on est dans l'illusion. Aussi, le corps humain, parce que le corps est fait de Maya, le corps humain nous pousse à nous tricher nous-mêmes ou tricher les autres. Donc, on a une propensité en nous à se tricher nous-mêmes ou tricher les autres parce qu'on croit avoir raison. Donc, quand on commence la vie dévotionnelle, il faut en fait renaître. C'est une seconde naissance. Il faut comme l'explique Krishna à Arjuna, 4.34, il explique que le disciple, il a besoin de trois qualités s'il veut recevoir le refuge du maître spirituel et recevoir la connaissance. Il doit être soumis. Submissive, soumis, non? Submissive, c'est soumis, non? Il doit être soumis. Ce que ça veut dire, c'est qu'il doit comprendre qu'il est en erreur. Il doit accepter dans son cœur qu'il ne perçoit pas la réalité telle qu'elle est. Dans cette attitude de soumission, cette soumission vient là de, de l'humilité, en fait. Humble submissiveness. On est humble parce qu'on réalise qu'on est complètement dans l'illusion, qu'on ne comprend rien du tout. Donc, avec cette attitude, on se soumet au pied de notre maître spirituel et on lui demande de nous enseigner pour illuminer notre conscience pour changer notre perception de la réalité pour voir la réalité telle qu'elle est et pas seulement avec la soumission mais parce qu'on est soumis à notre maître spirituel, on cherche à le servir. À travers cette attitude de service là, c'est ça aussi que qui, qui explique ça, je pense c'est Shukadev Goswami ou c'est c'est dans le deuxième chapitre du Bhagavad du premier chant. Je pense c'est Shukadev Goswami. Il explique que en rendant service à notre main spirituel, notre cœur se purifie. Et par ce fait même, on devient de plus en plus réalisé. Donc, un point que je veux faire pour la kalash d'aujourd'hui, c'est que Krishna, il définit la perception. Donc, si on veut percevoir la réalité, il faut complètement abandonner notre perception des choses. Pourquoi? Parce que notre perception est en lien avec notre mental. Le mental fait sa propre opinion des choses. Ça veut dire que le mental, il se dit, ça c'est bon et ça c'est mauvais, mais c'est basé sur quoi? Vous comprenez? Les gens ont toutes sortes d'opinions sur toutes sortes de choses dans ce monde, mais est-ce qu'ils ont vraiment raison? Dans le Kali Yuga, le symptôme premier, un des symptômes principaux du Kali Yuga, c'est que notre propre... notre autorité principale est notre mental. Ça, c'est un symptôme de Kali Yuga. On a plus... Non, mais pensez-y, c'est vraiment... Mais c'est vraiment fou quand même. On a plus... on accepte plus l'autorité de notre mental que l'autorité du Srimad Bhagavatam. Ça, c'est la perception de Krishna. C'est son opinion. Le Bhagavatam, c'est... ça décrit les activités de Krishna et les dévots qui sont... Qui sont manifestés dans ces histoires-là nous aident à comprendre qui est Krishna, la nature de ce monde, la nature de, de l'âme, comment les choses fonctionnent. Donc, c'est pour ça, en réalité, que lorsqu'on. Si on veut vraiment aller loin dans la vie dévotionnelle, si on veut aller plus loin que les algues qui sont sur le, sur le, le dessus de l'eau, il y a plein de choses sur le dessus de l'eau. Je me rappelle, j'étais au Mexique avec ma mère et ma sœur. Je pense qu'il y a deux ans de ça. Ça faisait six ans que je n'avais pas vu ma soeur, donc on s'était rencontrés au Mexique. J'avais passé une semaine avec eux, on avait nagé euh, dans l'océan et il y avait eu une, une, une infestation d'algues. Il y avait tellement d'algues qu'il y avait un mur de six pieds de haut d'algues. Et lorsqu'on nageait dans l'océan, c'était rempli d'algues. On ne peut même plus rien voir dans l'eau, tellement qu'il y en avait. C'était vraiment dégoûtant. <laughs> Gluant. Puis même si on nageait dans l'eau, on ne pouvait rien voir du tout. Donc c'est ça, en fait. Notre perception des choses, c'est comme ça. C'est comme, on perçoit, mais qu'est-ce qu'on perçoit en réalité? On perçoit, c'est même pas la pointe de l'iceberg. Je pourrais même pas dire que c'est la pointe de l'iceberg, parce que la pointe de l'iceberg, au moins, ça a une certaine substance. Ça fait partie du tout. Mais qu'est-ce qu'on perçoit en réalité? C'est complètement inutile. Ça n'a aucune substance. Parce que c'est basé sur... Notre perception erronée due à notre mentalité de contrôle et de jouissance. On perçoit les choses comme on en le souhaite, dû à nos impressions passées, à nos vies passées, puis on se dit c'est comme ça que ça doit être. Mais d'où est-ce que ça vient, ça? Vous comprenez? Moi, je dis que ça doit être comme ça, puis toi, tu dois faire comme ça. Mais ça vient d'où, ça? Sur quelle autorité peux-tu baser ton jugement des choses? Ça n'a absolument aucune valeur. Peut-être que ça n'en a, je ne dis pas que ça n'en a pas, mais il faut toujours vérifier. Le mode de la vertu, ça veut dire que ma seule autorité est le Shastra, Guru et Sadhu. Ça, c'est ma seule autorité. Mode de l'ignorance, c'est que, en fait, je perçois ce qui est bon comme mauvais, puis je perçois ce qui est mauvais comme bon. <laughs> mode de la passion, c'est déjà un peu mieux. Je perçois les choses, mais, mais je, je les perçois à ma manière, non? pour avoir un résultat de ça. Non? Ou plutôt, je change mon opinion pour que ça fasse mon affaire, non? pour que ça m'arrange personnellement. Donc, c'est vraiment simple, Krishna, il nous le définit la perception dans la Bhagavad Gita, et c'est pur dévot dans le Bhagavatam, euh, exprime davantage en fait la perception de Krishna. Donc, c'est pour ça qu'on doit complètement reformater notre conscience. Je ne dis pas de changer de vie. Je ne dis pas de tout le monde abandonner tout et venir vivre au temple. C'est pas ça que je dis. Mais il faut. Ce n'est pas une question de d'ashram ou de varna, non. D'être un renonçant ou d'être un, un père ou une mère de famille, mais c'est une question de conscience. Tout est une réflexion dans ce monde. Donc, qu'on qu soit un grasta ou qu'on soit un sanyasi ou un brahmachari, c'est quand même, ça reste quand même une réflexion. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu il dit, je ne suis pas un Grasta, je ne suis pas un sannyasi, je ne suis pas un brahmana, non. Parce que ça reste des réflexions. C'est pas notre vraie réalité. Mais tout de même, dans notre situation, on doit, on doit reformater notre perception et l'enligner complètement avec la perception de Krishna. Mais la raison pourquoi on n'est pas prêt à le faire, c'est parce qu'on est attaché à notre perception, parce que ça fait notre affaire. <laughs> Parce que euh, mon opinion m'aide justement à faire les choses comme je le souhaite. Accepter l'opinion de Krishna, ça veut dire reformater, pas juste sa conscience, mais à un certain moment donné, lorsqu'on reformate notre conscience, on a envie de reformater des choses dans notre vie aussi. Vous comprenez? Donc c'est pour ça l'ego, ouch, l'ego, euh, c'est dur pour l'ego, vous comprenez, de lâcher prise sur ses fausses conceptions. Mais, ok, c'est bien beau à, à être attaché à nos fausses conceptions, garder notre opinion des choses, mais où est-ce que ça va vous amener ça? Ça, c'est la question qu'on devrait se poser. C'est correct, hein? tu peux garder ton opinion pour le reste de ta vie, faire comme bon te semble, dans n'importe quel moment, comme tu veux, quand tu le veux, comme tu le souhaites. Mais la question qu'on devrait se poser, c'est où est-ce que je me dirige avec ça? Ça, c'est ce que les gens ne se posent pas dans notre société. Les gens font comme ils veulent, à n'importe quel moment, puis ils essaient de réaliser tous leurs désirs, mais ils ne sont pas conscients de la conséquence de leurs actions. C'est pour ça qu'en réalité, si on a un moindre intelligence, à moins que vous ayez un petit chiche dans votre tête, <laughs> ou peut-être ce serait un petit maïs, je ne sais pas, peut-être même encore plus petit, un mongdal, non? C'est très petit, ça. Qu'est-ce que plus petit de mongdal? OK. Peut-être que vous avez la cervelle de la grosseur de la moitié d'une graine de moutarde. <laughs> J'espère qu'on n'en arrivera pas là. <laughs> Mais en réalité, si vous avez une moindre intelligence, vous allez apprécier ce que je vous dis que si vous voulez être heureux, vous devez comprendre d'où vient la source du bonheur. OK, tout le monde cherche à être heureux, oui. Okay. Que ce soit le meurtrier, que ce soit le yogi, ou que ce soit le petit gars dans la rue qui essaie de quêter de, de l'argent pour s'acheter des petits bonbons à 5 centimes. non? Tout le monde veut être heureux. Mais est-ce qu'on arrive à être heureux? Ça, c'est la question qu'on qu devrait, qu devrait se poser. Prabhupada, l'explique explique dans son introduction sur la Bhagavad Gita que l'humanité commence lorsqu'on se pose des questions sur notre souffrance. Pourquoi je souffre? Qu'est-ce qui fait que je suis dans cette situation misérable? C'est lorsqu'on se pose cette question qu'on réussit graduellement à s'en aller vers le but, la perfection de la vie humaine. Donc, c'est ça, on devrait, on devrait se poser des questions. On ne peut pas prendre les choses juste avec un automatisme, avec nos réflexes. Ou... Il faut vraiment réfléchir, parce que la vie humaine, elle est faite pour la réflexion. Donc, ok. Je ne suis pas heureux. Pourquoi je ne suis pas heureux? Comment est-ce que je peux atteindre le bonheur? Quand je vais à Paris, je rencontre des milliers de personnes à tous les jours et je ne vois pas des gens heureux. Je regarde dans la tour de moi et je vois des gens complètement insatisfaits. Donc, pourquoi pourtant, si certaines personnes ont une grande facilité matérielle, ont des beaux enfants, sont, sont végétariens, ont une maison à la campagne, quatre chiens, deux canards, euh, vous comprenez? Mais pourquoi, malgré tout ça, ils ne sont pas heureux? Donc, on devrait se poser la question, mais d'où vient la source du bonheur Non, ça vient de Krishna. Et parce qu'on est dépendant de Krishna pour le bonheur, comment est-ce qu'on peut être heureux Comment est-ce qu'on peut être heureux si on ne rend pas Krishna heureux Parce que Krishna, il est la source du bonheur. Et il est réciproque avec nous. Tam il est réciproque. Selon la manière dont on l'approche, vous comprenez on, peut, on approche toujours Krishna. Ça c'est la dernière, la dernière phrase. Ce que ça veut dire, c'est que tout le monde me suit. Krishna il explique ça. Everyone follows my path in all respect. Tout le monde suit mon chemin dans tout, euh, avec respect, non donc que ce soit un matérialiste, que ce soit un yogi, un bouddhiste, un mayavadi, un chrétien, un musulman, peu importe ce que les gens font, ils suivent toujours Krishna. C'est juste qu'ils suivent avec différents niveaux de conscience, avec différents désirs, puis avec différentes facilités aux pratiques spirituelles. Mais on suit tous Krishna. C'est juste que certaines personnes n'en sont pas conscientes ou n'approchent pas Krishna directement. Donc Krishna... C'est simple parce qu'on est dépendant de lui pour le bonheur et parce que, comme il le dit dans la Bhagavad Gita, c'est lui qui donne le résultat des actions. C'est même lui qui donne la foi dans les gens qui veulent adorer les demi-dieux. Puis, dans l'Ishopanishad, il dit qu'il s'appelle Yagyarto. C'est que il est en fait lui qui reçoit les sacrifices et qui donne les résultats des sacrifices à chacun. Autant pour le matérialiste que pour le, le dévot, non? C'est exactement le même principe. Donc, c'est pour ça, en réalité. Comme Krishna le dit dans le Bhagavatam aussi que, que, vous, ayez, que vous soyez rempli de désirs matériels ou que vous n'avez pas de désirs ou vous désirez simplement la libération, la cessation de la souffrance matérielle, vous devriez vous abandonner à moi parce qu'en en fait c'est seulement moi qui vous donne les récompenses à vos actions. Donc encore là, peu importe ce que les gens font, c'est toujours Krishna directement à travers son potentiel interne ou à travers sa mahamaya à travers les lois du karma qui nous donnent les réactions de nos actions. Donc oui, on cherche à être heureux mais si on comprend en fait que le meilleur moyen pour être heureux c'est quand Krishna est heureux. Parce que justement c'est la nature de l'âme de rendre service à Krishna. Non le jiva Dharma, la fonction essentielle de l'âme, c'est l'amour, puis la nature de cet amour, c'est le service à Krishna. Si on fait autre chose que ça, comment est-ce qu'on peut être heureux? C'est impossible. Qu'est-ce qui se passe ici dans ce monde? On essaye tous d'imiter Radha et Krishna. Non. Et parce qu'on essaye de les imiter, on prend un rôle qui n'est pas du tout le nôtre. On n'est que des assistants, tatasta shakti. On assiste l'interaction entre Krishna et ses énergies, entre Radha et Krishna. Non. C'est notre seule capacité en tant qu'âme spirituelle. On peut faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas devenir Dieu. On ne peut pas devenir le contrôleur suprême ou le jouisseur suprême. C'est impossible. Et le plus on essaye de faire ça, le plus on va souffrir. Le plus l'énergie matérielle va nous botter le derrière. Puis le plus on va courir comme un fou, essayer de, euh, de trouver du plaisir dans un mirage, non? Et ce que j'exprime là, ça ne veut pas dire d'être renonçant aussi, mais ça veut dire de changer notre perception des choses et au lieu d'essayer de jouir pour notre propre plaisir, parce que dans ma perception des choses, je suis ce corps et ça m'appartient et j'ai un droit sur cette chose, le, si on comprend que, justement, dans ce, qui, dans ce qui est dans notre environnement, comme si on comprend que je ne suis pas cette langue, vous comprenez? Je ne suis pas cette pomme. Je ne suis pas le goût de la pomme et je ne suis pas la personne qui met la pomme dans ma bouche en fait, vous comprenez? Donc, à n'importe quel moment, que vous y croyez ou pas, vous n'êtes jamais le jouisseur direct de toutes vos actions. C'est impossible parce que le jouisseur direct, c'est Krishna qui interagit avec ses énergies. Vous comprenez? Parce que je ne suis pas la langue et je ne suis pas la pomme. Donc, comment est-ce que l'âme peut réellement trouver une satisfaction? C'est en assistant cette interaction. Si je comprends que je suis l'âme située dans le corps et par ma volonté, mon libre arbitre, je souhaite Accomplir une activité, mais dans le but d'unir cette interaction entre Radha et Krishna. Radha ou Lakshmi, qui est la forme de ce corps. Ce corps, tout en ce monde, est une forme d'adoration pour le Seigneur. Krishna a dit descendez dans ce monde et faites des sacrifices pour mon plaisir. Parce que ce monde entier ou la création entière, qui est l'énergie de Krishna, Radharani, elle est une forme d'adoration. Tout est fait pour adorer Krishna. Ce corps, ce mental, ces sens, c'est ça que la explique en fait. Elle explique dans le sixième chant que ce corps, ce mental, ces sens et ces objets des sens ne sont que moi, et ce sont des formes d'adoration pour adorer mon doux Seigneur, non Donc, c'est pour ça que justement on souffre parce qu'on utilise l'énergie de Krishna pour notre plaisir. On est l'énergie de Krishna, mais on veut jouir de l'énergie de Krishna. Et en faisant ça, au lieu de voir, voir l'akshmi et Ryan qui interagissent dans toutes les facettes de cette réalité, on voit l'illusion et on se voit être l'auteur de nos actes. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'en réalité, si on veut vraiment être heureux, il faut comprendre quelle est la nature du bonheur, comment goûter le bonheur. Et justement, comment goûter le bonheur avec ce que nous sommes réellement, vous comprenez? Parce que l'âme peut juste être pleinement satisfaite lorsqu'elle est une assistante de l'interaction de Radha et Krishna. Il n'a pas d'autre moyen. Vous comprenez? Ça, ça veut, ça, c'est ce qu'on appelle définir la perception des choses. Sambandhagan. Krishna est dit dans la Bhagavad Gita, Oh, Arjuna, fils de Pritha, avec le glaive de la connaissance, tranche l'ignorance à sa racine et éveille-toi à cette réalité. Bats-toi, Arjuna, et retrouve ta réalité. Vous comprenez? Il faut se battre contre cette illusion qui nous fait croire que je suis ce corps et que cela m'appartient. C'est la seule raison pourquoi on souffre. C'est aussi simple que ça. Ce qui se passe avec, le, avec ce qu'on essaye de faire dans ce monde, le plus on essaye de jouir de l'énergie de Krishna, le plus on va souffrir. C'est aussi simple que ça. Parce que cette énergie ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas le possesseur de cette énergie. L'âme, en fait, elle est un millième le bout d'un poil. Est-ce que vous imaginez à quel point c'est petit? Et on se croit. OK. Prabhupada, euh, Bhaktivinoda Prabhupada, était obligé de, de rencontrer Tamal Krishna Goswami. Parce qu'en fait, Tamal Krishna Goswami, qui était le, on dire, le bras droit de Prabhupada, il était comme un kshatriya. Et. Il avait quatre bus avec 90 brahmacharis et dans tous les temples où il allait, il prenait les brahmacharis avec lui et les mettait dans le bus. Il leur rasait la tête et les mettait dans le bus. <laughs> à un moment donné, ben, les présidents de temples se sont plaints à Prabhupada. On dit, écoute, à chaque fois que Tamal Krishna Maharaj passe dans un temple, toutes les brahmacharis euh, laissent le temple et partent avec lui. Donc là, Prabhupada, il a fait venir euh, Tamal Krishna Maharaj. et lui a dit, ok, écoute-moi bien. Dans cet univers, non, il y a des millions de planètes, et à travers ces millions de planètes, il y a une planète, la planète Terre, et sur cette planète, il y a un pays, l'Amérique, les États-Unis, et dans ce pays, il y a une ville, Los Angeles, et dans cette ville, il y a un temple, notre temple, et dans ce temple, il y a Tamal Krishna Maharaj qui pense qu'il est important. <laughs> Donc, voyez à quel point à quel point on est insignifiant, puis on se croit être le maître de tout ce qui nous entoure. Donc, c'est ça, on doit devenir humble, puis on doit accepter la réalité des choses. Vous ne pouvez pas en faire autrement que vous accepter dans cette vie ou dans des millions de vies, si vous voulez continuer à souffrir comme des, comme des porcs, des asticots, des, des, des chameaux dans le désert. Il y a même des chameaux dans le désert de Sibérie qui mangent de la glace. Okay, parce que le désert de Sibérie, c'est tellement froid que tout est glacé. Il fait moins 60. Okay? Et les chameaux, parce qu'ils n'ont rien à manger, mangent de la glace. C'est juste ça qu'ils ont à manger pour quatre mois de l'année. Est-ce que c'est ce, est ce que vous désirez atteindre? Devenir un chameau poilu qui mange de la glace quatre mois par année. <laughs> Écoutez, si ça vous tente, il n'y a pas de problème. Il hein? y a 8 400 000 formes d'espèces vivantes. Puis si vous abusez cette forme humaine, puis vous le... Vous la rejetez, vous la négligez, puis vous faites comme euh, n'importe quoi parce que ça vous dit, puis parce que vous, vous croyez que vous avez raison. Ben allez-y, allez-y, il n'y a pas de problème. Il y a 8 400 000 formes humaines, euh, formes d'espèces vivantes. Et ce qui est expliqué, c'est que si on manque cette espèce humaine, on peut retourner dans le royaume animal du début. On peut retourner comme un asticot, un moustique, une fourmi, un scarabée au dos doré. Il y a toutes sortes de formes, hein? vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Mais si, je vous disais, si vous avez une moindre intelligence, hein, plus gros que la moitié d'un grain de moutarde, vous allez faire attention à votre vie humaine. C'est précieux, on ne peut pas négliger ça. Vous comprenez? La vie humaine est faite pour réaliser notre âme en connexion avec Krishna. Il ne faut pas perdre cette opportunité. Vous comprenez? Puis, si on comprend justement que le vrai bonheur, il vient dans l'âme qui assiste Krishna parce que Krishna, parce qu'il est le contrôleur suprême et c'est lui qui donne les résultats, c'est quand il est satisfait de nous qu'il nous donne du plaisir. Vous comprenez? Les gopis, pourquoi elles ont la plus haute dévotion? C'est parce qu'elles donnent 100% à Krishna. Elles n'ont aucun désir, même infiniment, 0,0001% de désir de. D'approcher Krishna pour leur plaisir personnel. Ça, c'est la dévotion des Vraja Devi, non? Puis, Krishna, parce que justement, elle se donne corps et âme juste à donner du plaisir à Krishna. Krishna, il force, il force le plaisir aux Vraja Gopi. Même si elles n'en sont pas attachées à ça, Krishna, il force cette extase aux Gopi. Vous comprenez? Donc, c'est ça, en fait, c'est. C'est une question de gros bon sens. C'est pour ça qu'on doit cultiver l'intelligence. On commence un cours sur la Bhagavad Gita. On a déjà commencé une classe. Puis le but de ce cours, en fait, euh, j'en parlais un peu avec euh, Guru Dev, puis je, on, on va voir comment ça va s'installer dans le futur. Mais on aimerait créer une nouvelle branche, une, une branche dans, euh, dans notre famille où il y aurait un aspect éducationnel. Ou ceux qui sont intéressés à cultiver la connaissance pour implanter profondément dans votre corps grossier, subtil, dans votre mental, dans votre intelligence, dans vos sens, puis dans votre perception des choses la réalité telle qu'elle est, pour que vous puissiez vivre avec cette vraie réalité. On appelle ça Chastra Chakshu. Chastra Chakshu, ça veut dire voir les choses avec les yeux de la connaissance. Ça commence par ça, vous comprenez? On voit avec les yeux de la connaissance et parce qu'on a le désir de percevoir Krishna dans chaque chose, il se révèle à nous. Dans tous les aspects de notre vie, vous allez voir, c'est mystique. Le plus vous cherchez à, si vous voulez, si tout ce que vous voulez voir c'est Maya, tout ce que, tout ce que vous allez voir c'est Maya, et Maya va faire, se faire un plaisir parce que c'est son service à Krishna, elle va se faire un plaisir de vous mettre dans l'illusion une chose après l'autre. OK, oui, tu veux voir l'illusion? OK, regarde ça. Regarde-ci. Rentre tes, tes deux pieds dans cette boue, puis euh, reste poigné dans, cette, euh, dans ce sable mouvant. Il n'y a pas de problème. Tu peux rester là, et comme un observateur qui, qui comme quelqu'un justement qui est forcé de descendre dans le sable mouvant, tu peux voir ce film de Maya et juste te laisser porter par cette illusion. Il n'y a pas de problème, non? Donc, on commence un cours sérieux où on cherche à faire comprendre aux dévots que, cette connaissance, en fait, c'est pas juste une connaissance, c'est vivant. On appelle ça la, la théologie vivante. Ce que ça veut dire, ça, c'est que ça, c'est une personne. Le Bhagavatam, c'est directement Krishna. Vous pouvez l'approcher comme une personne, le toucher comme une personne, le mettre sur votre cœur comme une personne, l'adorer comme une personne. Vous ouvrez le livre et vous dites Krishna, je sais que c'est toi, ça. S'il te plaît, j'aimerais développer une relation avec toi. Aide-moi à découvrir tes secrets. Montre-moi ta personne dans ce livre. Aide-moi à comprendre ta présence. Manifeste ta présence à travers ces écrits. S'il te plaît, aide-moi à percevoir ta présence que je lis dans cet écrit dans ma vie personnelle. On veut vous faire comprendre que cette connaissance, en fait, elle est directement applicable à l'instant présent et ce n'est pas une question de qualification. Parce que le Bhagavatam, c'est pour l'âme. Est-ce que vous êtes une âme spirituelle? Ou vous êtes quelque chose d'autre? Ou peut-être que vous êtes un robot? Que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un robot dans la salle? Un cyborg? Non, aujourd'hui, on dirait que les gens ont une capacité à faire des cyborgs, non? Est-ce que vous êtes comme Alita? <laughs> Alita Battle Angel, non, qui est une cyborg. Non, vous n'êtes pas des robots, vous êtes des âmes spirituelles. Vous avez le droit à ça. Permettez-vous, permettez-vous de vivre dans la connaissance, de vivre dans la dévotion. C'est votre droit. Vous êtes une âme spirituelle. Vous avez le droit à ça et vous êtes qualifié pour ça parce que c'est légitime. Vous comprenez Tout le reste, en fait, ce n'est pas absolument pas légitime parce que ça ne vous appartient pas. Votre corps ne vous appartient pas. Votre femme, votre maison, votre argent, votre travail, vos sens. Le plaisir des sens ne vous appartient pas. Rien, absolument rien ne vous appartient. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on doit établir notre conscience dans la connaissance. On doit transformer notre conscience, élever notre conscience pour percevoir la réalité. Et la réalité, c'est l'interaction entre Krishna et ses énergies. Il n'y a Rien d'autre que ça. En ce moment où je vous parle, tout ce qui se passe en ce moment est l'interaction de Krishna et de ses énergies. Rien d'autre. Donc, s'il vous plaît, si, si vous avez l'intérêt, prenez l'opportunité de cultiver la connaissance. On va donner au moins trois cours par semaine. Pour ceux qui ne sont pas présents, vous pouvez l'écouter en audio. Il y aura des notes. Puis, on veut créer une académie où... À travers les années, des nouveaux cours vont être instaurés où vous pourrez étudier la Bhagavad Gita en entier, le nectar de la dévotion, le nectar d'instruction. On pourra étudier ensemble et plonger dans le nectar du Bhagavatam. Et si vous voulez plus de nectar encore, on va plonger ensemble dans le nectar du Brihad Bhagavatam Rita. Ça, en fait, c'est l'essence du Bhagavatam qui a été goûtée par Parikshit Maharaj, okay? puis qui l'a réduit dans un nectar euh, euh, savoureux. Seulement en trois jours. Comprenez? Donc, vous pouvez faire un gros euh, riz sucré, OK? Vous pouvez faire une grosse casserole de riz sucré et ça sera très sucré, mais dans la même quantité de sucre, je suis sûr que vous pourriez faire une boule de Simply Wonderful fait avec en premier du sucre, après ça du beurre, après ça de la poudre de lait, puis après ça vous le goûtez. Vous comprenez? Donc, oui, il y a du sucre partout, mais on peut vraiment aller à l'essence, puis c'est ça qu'on cherche à faire. Cette, cette connaissance nous aide à changer notre conscience pour percevoir les choses comme elles le sont et vivre à travers cette connaissance, vous comprenez? Pas seulement de la comprendre, mais voir sa logique et voir à quel point, en fait, c'est la vraie réalité et voir comment on peut l'appliquer directement parce que c'est une pure logique, c'est scientifique et ça donne les meilleurs résultats parce que c'est connecté avec Krishna. Vous comprenez Tout ce qui est de déconnecté de Krishna n'a aucune valeur, OK C'est ça que Bhaktivedanta Prabhupada expliquait. d'expliquer. Vous pouvez mettre des millions de zéros, mais s'il n'y a pas de 1 en face, ça n'a aucune valeur. Vous comprenez Fait que tout ce qu'on essaie de faire c'est d'accumuler les zéros, mais en réalité quelle est la valeur de ce qu'on essaye de goûter dans ce monde si on ne connecte pas ce qu'on fait à Krishna? Je dis bien, tout est Krishna, mais si on ne perçoit pas Krishna puis on ne vit pas connecté avec Krishna dans nos activités, mais en réalité, c'est juste essayer de. OK, l'air est présent, OK? Mais est-ce que vous pouvez goûter à l'air? Courir, OK, il y a de l'air partout. Il y a peut-être un vent de 60 km/h, mais est-ce que vous allez être capable de goûter à l'air? Non? Vous pouvez l'accumuler, non, dans un bocal, mais est-ce que vous êtes capable de goûter à l'air? C'est impossible. Mais c'est ce qu'on essaye de faire dans ce monde. Tout ce qu'on fait qui n'est pas connecté à Krishna, c'est comme quelqu'un qui essaie stupidement de goûter à l'air. Non, vous comprenez? Donc, dès que tu ajoutes le 1, toute sa substance euh, se manifeste de Krishna. Toutes les couleurs de Krishna deviennent apparentes à nos yeux. Tout ce qu'on vit... Il y a un Bhaktivikashmara, je disais que la... Les dévots, en fait, ils goûtent à la meilleure gratification des sens. Pourquoi Parce que tout ce qu'on fait, c'est connecté à Krishna. Ça devient du prashad. Et parce que Krishna se manifeste, il manifeste ses qualités, il manifeste sa beauté, il manifeste sa saveur dans, dans ce qu'on goûte, dans ce qu'on perçoit, dans ce qu'on entend, dans nos mouvements, on se met à goûter la réalité, mais avec... Euh, avec un goût supérieur, non? Comme Krishna le dit dans la Bhagavad Gita. Donc, on va terminer là parce qu'on a un cours ensuite. <laughs> Mais merci beaucoup, puis s'il vous plaît, prenez ça au sérieux. Euh, ces livres-là ne sont pas là juste pour les mettre sur une étagère et que ça prend de la poussière. Prenez le temps, c'est important. OK? Si vous n'avez pas besoin d'étudier, pas de problème, OK? Vous n'êtes pas obligé d'étudier. Si vous pouvez vous asseoir et chanter avec Krishna toute la journée, si vous pouvez percevoir Krishna et les petits oiseaux d'ouvrage, dans tout ce que vous faites, il n'y a pas de problème. Mais si, après quatre heures de programme du matin, lorsque vous allez travailler ou vous faites vos services, même dans le temple ici, est-ce que vous connectez ce que vous faites à Krishna? Est-ce que vous percevez Krishna dans votre service, même sur l'hôtel? Non. Ou quand vous lavez la vaisselle, qu'est-ce que vous voyez quand vous lavez la vaisselle? Quand vous êtes en face de votre ordinateur, qu'est-ce que vous percevez? Comment vous vivez des choses? Est-ce que vous connectez ça à Krishna? Ou tout ce que vous voyez, c'est un ordinateur, puis moi, avec mes sens, qui tape sur l'ordi, qui est juste engagé avec son mental à faire son travail. Puis Maudit que ça m'ennuie, non? C'est quoi votre expérience? Donc, tout, tout, tout est Krishna, que vous le croyez ou non, tout est déjà l'interaction de Radha et Krishna, puis tout ce qu'on expérimente sont les qualités de Radha et Krishna. Donc, est-ce que vous voulez vous connecter à ça, avoir cette expérience-là, ou vous voulez vivre dans l'illusion? Non? À vous de choisir. Donc, on termine ici. Merci beaucoup. Grantara ah, Shimad Bhagavatam ki, Janita Gora Premanande. Les petits oiseaux de <laughs>